אלי אלי אליה יבשר הגאולה כחתן לקראת כלה משפח יקר וגדולה אלי אלי אליה יבשר הגאולה כחתן לקראת כלה משפח יקר וגדולה אלי אלי אליה יקבצנו בערה לשם תפארת ותהילה לא נוסיף עוד דבר אלי אלי אליה יקבצנו בערה לשם תפארת ותהילה לא נוסיף עוד דבר אלי אליה Moshé Guiat, Eliyahu HaNavi, très présent avec notre Haftara, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Alors, quand on parle du veau d'or, je crois qu'il faut avoir une réflexion qui doit nous inviter à apprécier les choses d'une façon particulière. Hein. Tous les commentaires sont d'accord pour nous dire que comment un peuple qui sort d'Égypte avec tous les miracles qu'il a vus, avec le passage de la mer Rouge, avec le don de la Torah, la manifestation de Dieu, est-ce qu'ils vont se laisser aller à une Avodah Zarah, une idolâtrie pour un petit veau comme ça? C'est bizarre, c'est bizarre. En plus de ça, quand on regarde le texte de près, on se rend compte que quand Aaron essaye de limiter la casse, il essaye de gagner du temps, et puis il dit « Chag Lachem Machar ». Et quand il fait le veau, il dit « Ce sera une fête pour Dieu ». D'ailleurs, les enfants d'Israël ne disent pas « On veut remplacer Dieu ». Ils veulent remplacer Moshé. Et c'est peut-être là un point qui est très, 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 très fin à voir et à analyser. En effet, ils viennent voir Aaron et ils disent « Moshé, on ne sait pas ce qui est devenu, donc il faut le remplacer ». Alors, on pourrait dire « On va remplacer Moshé ». Par Aaron, tout simplement. C'est son frère, son grand frère. D'ailleurs, même dans la pensée de Moshé à l'origine,
C'est Aaron qui aurait dû prendre cette place de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, puisque Aaron, déjà en Égypte, était déjà un prophète, il était déjà connu, il avait grandi parmi le peuple d'Israël, il était reconnu, c'était quelqu'un qui et Moshe va tout faire pour essayer de refuser la mission au profit de son frère, parce que son frère avait, on pourrait dire, un CV plus marquant et plus méritoire que lui. Et peut-être que justement, quand les enfants d'Israël sont devant cette problématique, Moshe n'est plus. Bon, il faut le remplacer. Mais est-ce qu'on va prendre Aaron ? Mais ils se disent peut-être, et si Moshe finalement revient, et qu'on a nommé Aaron à sa place ? Évidemment que Moshe ne voudra plus reprendre sa place en disant, mais non, mon frère Aaron a maintenant la place de chef, je ne vais pas lui reprendre cette place, puisque déjà, a priori, je ne voulais pas prendre cette place. Je voulais que ce soit lui qui la prenne. Et maintenant, vous, les enfants d'Israël, vous avez choisi Aaron pour être mon remplaçant. Donc, c'est lui qui me remplace. Il n'est plus question que je reprenne. Et donc, peut-être que les enfants d'Israël, un peu inconsciemment, se disent, on ne peut pas prendre Aaron à la place de Moshe. Ah, mais si on ne peut pas prendre Aaron, on peut prendre personne. Il n'y a pas un autre homme parmi les enfants d'Israël que l'on pourrait choisir devant Aaron, puisque ce serait quelque part comme un outrage à Aaron. Aaron qui est quand même celui qui est le number one, le numéro un après Moshe, parmi tout le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben c'est problématique. Aaron, on peut pas le prendre par délicatesse vis-à-vis de Moshe, et puis et une autre personne, on peut pas le prendre par délicatesse vis-à-vis d'Aaron. Et donc, les enfants d'Israël disent à Aaron, il faut que tu nous trouves une solution, il faut qu'on et on va proposer. Et là, il va avoir comme une sorte de notion à essayer de trouver. Les enfants d'Israël avaient une conscience de ce que Dieu allait leur demander. Après tout, Dieu avait déjà, d'après certains, Dieu avait déjà ordonné à Moshe la construction du Mishkan, du sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y a le Kodesh, il y a le Saint, il y a le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y a le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte. Et dans l'Arche Sainte, dans le Kodesh HaKodeshim, il y a l'Arche Sainte. Et au-dessus de l'Arche Sainte, il y a le Kaporet. Le Kaporet, c'est le propitiatoire sur lequel il y a des chérubins. Tiens. Des chérubins. Et chérubins, ils ont un lien avec quoi ? Eh bien, quand on connaît, parce que tout le monde connaît la prophétie d'Ézéchiel, parce que la prophétie d'Ézéchiel, c'est le char divin, le Merkava, Maasé Merkava, le trône divin avec quatre têtes, la tête du lion, de l'aigle, de l'homme, en l'occurrence Adam Arishon, mais qui va être changé en Yaakov, puisque Adam va faillir, et donc c'est Yaakov qui va être chouffré d'Adam, qui va être la beauté, et donc c'est Yaakov qui va, son visage qui va être sur le trône divin. Et le quatrième, c'est quoi ? Eh bien, il y a deux versions dans Yéhézkiel. Il y a une version avec un taureau, et une version avec un chérubin. Alors, il y a une version, c'est de nous dire, à cause du taureau, à cause du veau d'or, le taureau se transforme en chérubin. Peut-être qu'il y avait ces deux possibilités, soit le chérubin, soit le taureau. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on pourrait se dire que dans le Kodesh HaKodeshim, non, parce que les chérubins, c'est pas comme le veau. Comme le dit le Rav Yehuda Halevi dans le Kuzari, la différence fondamentale qu'il y a entre les chérubins et le veau, c'est que les chérubins, Dieu leur donne, et le veau, Dieu ne leur donne pas. Donc, toute la différence qui est dans le fondement des choses, c'est qu'est-ce que Dieu demande ? On ne peut pas se faire une religion. On ne peut pas se créer une religion. On ne peut pas se dire, tiens, Dieu va vouloir ça parce que moi, je veux ça. Non. Même si, dans le fond, j'ai peut-être raison, c'est peut-être ce qu'il faut, mais si Dieu ne l'a pas demandé, ben, ça sera un veau d'or. Ça sera une idolâtrie qu'il faudra proscrire. Et oui, les chérubins, ils sont en or, ils sont comme le veau, mais avec une petite différence quand même qui n'est pas négligeable, c'est que les chérubins sont en nombre de deux, alors que le veau est tout seul. Et qu'il y a peut-être ici une notion où la parole de Dieu passait entre les deux chérubins, et que là, il n'y a plus de parole de Dieu puisque le veau est tout seul. Le veau n'a pas été ordonné par Dieu, mais finalement, en voulant faire ce veau qui est le fils du taureau, eh bien, quelque part, il voulait essayer de retrouver le chemin du lien avec Dieu, puisque finalement, Moshe
Moïse, qui veulent remplacer maintenant. Et bien, ils essayent de trouver le contact, puisque l'un des aspects fondamentaux de Moshe, c'est d'être leur intermédiaire quand Dieu va s'adresser à eux. Ils avaient dit à Moshe, on veut plus que Dieu s'adresse directement à nous, parce que c'est trop dangereux. Là, quand on a reçu la Torah, c'est trop dangereux. Toi, tu vas parler avec Dieu et tu nous transmettras. Donc, il y a une notion de transmission de la parole de Dieu. Mais à quel endroit Dieu va parler à Moshe? Après le mont Sinaï, il va parler mi ben shnei kruvim, entre les deux chérubins. C'est là, et c'est la clé entre les deux chérubins, où il y a le message de Dieu qui s'adresse à Moshe. Il n'y a plus Moshe, on va garder entre les deux chérubins. Mais ils n'ont pas su prendre cette verticalité de l'homme de ces chérubins, ils vont rester au degré du taureau, donc du veau, et c'est comme ça qu'ils ont voulu faire un veau. Et donc il y a cette notion un peu déséquilibrée avec un seul veau, même si Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est cité dans le Yerushalmi, nous dit que en fait il y en avait 13, il y avait 13 veaux, et après c'est 12 qui se sont reliés en un seul. C'est un petit peu cette notion, mais enfin fondamentalement c'est ce veau et qui va être pour eux le lien du message avec Dieu, mais non, parce que le veau ne parle pas, et le veau ne peut pas remplacer les chérubins, et c'est pas ce que Dieu a demandé, parce que Dieu ne l'a pas demandé. On est dans le fondamental ici de ce qui est ce que Dieu demande et ce que Dieu ne demande pas. Et à partir du moment où l'homme invente des choses, alors on est dans une dimension où c'est faible. Alors, il y a une possibilité, vous savez, Hachem et Magdim refoua la Maka, Dieu fait toujours le remède avant le problème, il donne toujours le médicament avant la maladie, et toujours, juste avant cette histoire de veau d'or, il y a le passage qui parle du Shabbat, et c'est extrêmement intéressant, parce que ce passage met en exergue les fameux versets que l'on dit ce soir avant l'amida du soir du Shabbat, que dans ces versets qu'on dit dans l'amida du samedi matin, et ces versets qu'on redit avant le kiddush du samedi midi. Veshamru ben Israël ta Shabbat, les enfants d'Israël garderont le Shabbat. Veshamru, le mot shamar. Souvenez-vous, on a dit qu'il y a deux versions d'étapes, parce qu'il y a deux versions des 10 commandements. La première version est dans Yitro, et il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat et Kadesh. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Dans la deuxième version, celle qui est marquée dans Vaetranan, dans le livre de Devarim, c'est Shamor et Yom HaShabbat. Garde le jour du Shabbat. Garde Shamor. Et donc, il y a une notion de Shamar, de Shmira. Et c'est cette Shmira qui sera justement cette garde, qui sera justement dans la deuxième table de la loi, qui ne seront pas détruites et qui sont finalement les tables de la loi qu'on va garder. On va garder aussi les premières, mais en débris. Mais la notion de Shmira de Shabbat va être cette notion forte de garder le Shabbat, et on l'a justement en introduction avant le récit de la faute du veau d'or. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, ce Veshamru ben Israël. Veshamru ben Israël est à Shabbat, les enfants d'Israël garderont le Shabbat. L'Asot est à Shabbat. Pardon ? L'Asot est à Shabbat pour faire le Shabbat. Non. Le Shabbat, on ne fait pas, justement. Le Shabbat, on ne fait pas. La définition du Shabbat, c'est Shabbat. C'est justement une cessation de tout travaux. On ne fait pas. Qu'est-ce que la Asot à Shabbat? Non, non. Dans le Shabbat, on fait quelque chose. Certes, on n'a pas d'action physique, on ne fait pas de malacha, on ne fait pas de travaux. Mais on fait, on crée une atmosphère où Dieu s'adresse à nous. On est dans une atmosphère d'une intimité, dans une atmosphère de convivialité, une atmosphère d'humanité qui est la puissance du Shabbat. Et c'est ça, la Asot est un Shabbat, on doit faire le Shabbat. Et oui, le Shabbat, il y a une construction qui se fait de l'homme en arrêtant la construction du monde. Et c'est finalement, c'est ça la Asot est un Shabbat. Mais la Asot est un Shabbat, c'est aussi faire du Shabbat, parce que Dieu nous invite à cela. Comment il nous invite à cela? Eh bien, avant que le Shabbat rentre dans la dernière limite, on a un principe qui s'appelle Tosefet Shabbat, le rajout du Shabbat. Alors certes, le Shabbat, il en rentre à un certain horaire, vous l'avez dans le calendrier, qui prend en compte ce principe de Tosefet Shabbat. C'est vrai que, on va dire, la limite, ce serait le coucher du soleil, et donc 18 minutes avant le coucher du soleil, c'est l'horaire qui est marqué dans les calendriers. Mais on peut faire entrer Shabbat encore un peu avant.
Et d'ailleurs, les grands maîtres de notre génération nous ont invités à faire entrer le Shabbat avant, 12 minutes avant cet horaire qui est marqué dans le calendrier. Autrement dit, de faire entrer le Shabbat 30 minutes avant le coucher du soleil. Vous avez l'horaire du coucher du soleil, vous calculez 30 minutes avant, ce qui fait en fait 12 minutes avant l'horaire qui est marqué dans le calendrier, et vous avez cette Tosefet. On peut faire entrer Shabbat même encore un peu avant. C'est pas, non seulement c'est pas interdit, mais c'est mieux même. Alors pas trop tôt, évidemment. Faut faire rentrer Shabbat après ce qu'on appelle Plaga Mincha, mais je vais pas rentrer en détail technique. Mais allez, on va dire dans une demi-heure, 30 minutes avant le coucher du soleil, 12 minutes avant l'horaire qui est marqué dans le calendrier ou l'horaire qu'on annonce en général, c'est l'horaire idéal pour faire rentrer le Shabbat. À Jérusalem, on fait rentrer 40 minutes avant cet horaire-là. Enfin, surtout chez Ashkenazim. Ça c'est l'habitude de Jérusalem. Il y en a qui font rentrer 20 minutes, il y en a qui font rentrer donc 30 minutes, et le classique c'est plus 18 minutes, mais c'est bien 30 minutes. Et c'est ça l'assot est à Shabbat, de faire du Shabbat. C'est-à-dire Dieu nous dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas inventer une religion, on ne peut pas faire un veau d'or. Oui, c'est de la vodazara. Mais d'un autre côté, on peut faire du Shabbat, on peut créer du Shabbat, à l'entrée du Shabbat, mais aussi à la sortie du Shabbat. À la sortie du Shabbat, c'est ne pas se débarrasser, entre guillemets, du Shabbat à la sortie. Ah, c'est l'horaire de la fin du Shabbat, allez, vite, on se précipite pour vite sortir du Shabbat. Non, on peut avoir une notion de sentir combien on est peiné à la sortie de Shabbat, quand le Shabbat doit s'arrêter, de se terminer. Alors on va pas juste à la sortie. Puis, alors c'est vrai que l'horaire qui est marqué de la sortie de Shabbat prend en compte aussi cette Tosefet, aussi ce rajout. Oui, c'est pas exactement l'horaire de la sortie des étoiles, c'est un petit peu après, et donc c'est pris en considération. Donc on peut être mal à mettre Zerkout pour ceux qui font sortir, mais c'est bien de ne pas avoir ce sentiment comme ça de la sot est à Shabbat, de faire du Shabbat les Dorotam de génération, parce que ça c'est un signe qui est fabuleux. Veshamru ben Israël est à Shabbat. Veshamru ben Israël est à Shabbat. Alors vous savez, je suis toujours très, très sensible au lien qu'il peut y avoir entre la paracha, le calendrier, et puis des cycles qui commencent, des cycles qui se terminent.
quand on finit la lecture de la Torah avec Simchat Torah, c'est ça la Simcha de la Torah. C'est une conclusion, mais c'est aussi un début. On commence avec Bereshité, conclusion, commencement. Je vous évoquais tout à l'heure le cycle d'études de Halakha de Mishneh Berurah, initié par Dirshu. Qui est fabuleux, cette page du Mishneh Berurah, de la Halakha, et c'est bien de pouvoir suivre comme ça un nouveau cycle qui commence, voilà, qui commencera dimanche. Vous pouvez embrayer le pas, il y a toutes les possibilités, et c'est remarquable parce qu'il y a une chose qui se termine et qui commence. Ce dimanche, c'est aussi, vous savez, il y a l'initiative de la Rabbanit Shtenzal, pas la femme de Ravadin Shtenzal, mais une autre Rabbanit qui est au Kotel, et qui a initié de faire un télim par jour. C'est aussi comme le Dafayomi, c'est le télim du jour, qui chaque jour, ben c'est la fin du 31e cycle du télim par jour, et ça se termine dimanche. Alors dimanche se termine, et puis ça va commencer à partir de lundi, voilà, de commencer chaque jour un télim, et comme ça, d'une façon sans s'arrêter, toujours, tous les jours, un télim, toujours un psaume. C'est aussi un cycle intéressant. Et c'est sur ces fins de cycle et ce début, et ces liens qui peuvent exister, qui je trouve qui sont assez intéressants, ils sont extraordinaires. Cette semaine, on lit à Parasha Kitissa, le début de Parasha Kitissa nous parle des demi-cycles. Les demi-cycles qui seront le sujet qu'on retrouvera la semaine prochaine dans la paracha de Shekalim, puisque la semaine prochaine on sortira deux rouleaux de la Torah. Dans le premier on lira la paracha Vayakel, et dans le deuxième on lira le début de notre paracha, de paracha de Kitissa, en qualité de Shekalim. Et on commencera en fait un nouveau cycle, avec un C cette fois-ci, ce cycle qui va nous faire rentrer dans les fêtes de Purim, les fêtes de Pessah, et puis avec toute la perspective de ce qui arrive derrière, puisque quand on est avec les fêtes de Purim et de Pessah, on a derrière tout qui est défini, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout est intimement lié. Et donc ça commence, on finit finalement ce Shabbat, c'est comme une sorte de sioum, c'est comme une sorte de conclusion. Il y a eu un sioum cette semaine, et il y aura un sioum du Dafayomi du Seder Moed à la fin de Chagiga bientôt. Et c'est conclusion et commencement. Conclusion ce Shabbat de Kitissa, qui rebondit la semaine prochaine avec Shekalim. On reprend le même texte de Shekalim, du cycle. Et là, on aura les quatre fameuses parachiot, où donc sur quatre Shabbatot, on sortira deux rouleaux de la Torah, et c'est à la fois donc cette annonce du mois de Nissan, l'annonce de Hadar, de Zachor, souviens-toi de ce qu'elle a fait à Malek, et puis la purification para et les fêtes de Pessah qui s'annoncent, et puis après de Pessah on va relier Pessah avec Shavuot par le Homer. Après on aura les 40 jours fameux qui sont liés dans notre paracha, puisque ces fameux 40 jours entre le moment où on a reçu la Torah et puis le moment où on aurait dû recevoir les tables de la loi, et puis finalement ils ont fait le Vaudor, donc badaboum, c'est la paracha de cette semaine. Et après Moshe va essayer d'obtenir le pardon jusque deux fois 40 jours, et on arrivera à Kippour. Et Kippour après, pour avoir le tikkun, la réparation de cela, ce sera la construction du Mishkan, qu'on retrouvera à travers la construction de la Souka. Un programme qui ne s'arrête pas et qui va toujours, Mikhaïl Khaïl, qui va toujours de mieux en mieux et de grandeur en grandeur. C'est ce que je vous souhaite, de Mikhaïl Khaïl, toujours de grandir, toujours de progresser, jamais s'arrêter, de jamais stagner, d'être toujours en mouvement, d'être toujours dans ce principe de rajouter dans les mitzvot, de rajouter dans l'étude à Torah, de progresser dans l'étude. C'est comme ça qu'on est dans le principe de la vie et que on est dans le principe de la dynamique qui est importante. Et il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Shabbat de paix, un Shabbat d'étude, un Shabbat de sainteté, un Shabbat de convivialité, un Shabbat d'élévation, un Shabbat où on a une compréhension de la finalité du Shabbat, de la finalité de la prière, de ce lien avec notre Créateur, de ce lien avec notre prochain, de ce lien avec nous-mêmes, de ce lien avec notre famille, de ce lien qu'on doit savoir tisser et qu'on doit savoir construire et qu'on doit savoir toujours, toujours entretenir, parce que rien, jamais n'est acquis comme ça. On se doit toujours d'être dans un travail constant et dans une continuité. Shabbat Shalom, Git Shabbes, Shabbat Shalom, Umevorach. Yoim Zen, Yoim Zen, Chubot, Mechubot, Mikor.
kol yomim kivoy kivoy shovas kivoy shovas kivoy shovas tzuroy lomim yoim ze mechubod mechubod mikol yomim kivoy shovas kivoy shovas kivoy shovas tzuroy lomim Sheshes yomim tasem lachtecho Ve'yoyim ha'shvi'i l'eloikecho Shavos lo yisase Voy melocho Ki choy lo so sheshes yomim Yoyim ze mechubot Mechubot mikol yomim Kivoy kivoy shovas Kivoy shovas kivoy shovas Tzuroy lomim Ay rishoin rishoinu le mikro koidesh yoim shabos oin yoim shabos koidesh al kein koilish beyeno yekadesh al shtelechem yimtzeus mimi יוים זה מחובות מחובות מכל יומים היי כיווי כיווי שובס כיווי שובס כיווי שובס צורוי לומים איכול משמנים שסיימם תקים כי קליתם לכל בודבקים לכל בודבקים בגד לי לבויש, בגד לי לבויש, לחם חוקים. היי בוסול ודוגים, אוי בוסול ודוגים, וכל מטעמים. יוים זה מחובות, מחובות מכל יומים. כיווי, כיווי שובס. Kivoy shovas, kivoy shovas, tzuroy lomim. Loy sechsar kol boy, loy sechsar kol boy, loy sechsar kol boy. Ve'ochalto, ve'sovoto, ve'sovoto, uverachto es Hashem Elokecho, asher ohavto, ki verachecho. מכלומים יוים זה יוים זה מחובות מחובות מכל יומים כיווי כיווי שובס כיווי שובס כיווי שובס צורי לומים השומיים מספרים כבוי דוי וגם הורץ מולאו חסדוי ראו כי חוללה עושה סויודוי כי הוא עצור כי הוא עצור אוי אלוהי סומים יוים זה מחובות מחובות מכל יומים כיווי כיווי שובס כיווי שובס כיווי שובס צורי לא הומים יוים זה מחובות מחובות מכל יומים כיווי כיווי שובס כיווי שובס כיווי שובס צורי לא הומים